Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Je suis allée chercher mon livre. Je l'avais oublié aujourd'hui. Le service de Dieu, hein? Shalom, shalom, Eugénie. Shalom, shalom, Suzanne. Shalom, shalom, Sandy. Dieu nous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, l'ordinateur fonctionne à nouveau. Que le nom de Dieu soit loué. Amen, amen. Comment allez-vous? Shalom, Flore. Shalom, Saïf. Que Dieu soit avec nous. Sans tarder, nous allons prier. Alléluia. On ne peut rien faire sans prier. On ne peut pas faire les choses de Dieu sans demander sa présence, sans demander son soutien. Amen, amen. Donc, je t'invite à prier avec moi. Père éternel, au nom du Seigneur Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci pour cette belle journée du 15 avril qui s'achève dans quelques heures. Tu nous as fait la grâce de voir ce jour. Par ta grâce, nous sommes encore vivants, nous sommes encore dans ce monde. Seigneur, cette nuit, avant de s'endormir, nous voulons lire ensemble ta parole. Tu nous dis dans Josué 1, verset 8, de méditer ta parole jour et nuit. Aide-nous, Seigneur, à obéir à ta parole. Aide-nous à la lire. Aide-nous à la méditer. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à cette parole tous les jours de notre vie. Aide-nous à la désirer plus que tout. Cette nuit vient nourrir l'âme de chacun. Viens me nourrir. Viens me fortifier. Viens me faire du bien. Que ta parole m'apporte tout ce dont j'ai besoin, encore, pour cette année 2024, pour ma vie. Que cette parole tombe sur la bonne terre. Que le cœur de chaque personne qui suivra ce direct soit une bonne terre. Et que cette parole porte du fruit, du bon fruit. Père éternel, je te prie d'ouvrir les oreilles spirituelles de toute personne qui écoutera ta parole afin qu'elle puisse entendre ta voix. Merci Seigneur de nous protéger, de couvrir ce direct par ton sang, par le sang de ton Fils le Seigneur Jésus. Fais des miracles dans nos vies, fais des merveilles dans nos vies. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Tu as prié, j'espère. Amen, amen, amen. Amen, amen, Sœur Nathalie, sois bénie, sois bénie. J'espère que tu as passé une très belle journée. J'espère que les bontés de Dieu se sont manifestées dans vos vies. Amen, amen. Dieu nous fait grâce. C'est le 15 avril, il nous a fait grâce de voir cette journée. Que Dieu nous fasse grâce de voir encore de nombreux jours. Alléluia! Que chacun de nous, selon le plan de Dieu, remplisse le nombre de jours sur cette terre. Remplisse le nombre de jours que Dieu a fixé pour lui sur cette terre. Amen. Je vous prie pendant les directs de ne pas être déconcentré par des personnes qui tombent sur le direct, qui écrivent certains commentaires. Ne vous laissez pas distraire. Surtout lorsqu'on est en train de prier, ne cherche pas à répondre à qui que ce soit. Parle à Dieu. Amen, amen.
Dieu a un programme aussi pour toutes ces personnes qui se connectent. Alléluia. Que Dieu soit loué. Qui peut me dire le chapitre de la Bible que nous allons lire aujourd'hui? Qui est ponctuel? Qui suit bien le plan de lecture? Qui suit bien le programme de lecture de la Bible? Qui prend ce programme à cœur? Qui a son cahier de notes, ses stylos rouges, bleu, vert, ses marqueurs de toutes les couleurs? Qui vraiment est présent à chaque direct? Matthieu 5, sois béni. Sœur Suzanne, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Amen, amen. Que ce livre ne s'éloigne point de nos vies. Alléluia. Que chacun s'attache à cette parole et que chacun aussi partage cette parole. Et quand tu as la possibilité, vraiment n'hésite pas à offrir la Bible en cadeau d'anniversaire, cadeau de mariage, cadeau de tout ce que tu veux. Alléluia, tu as des enfants, offre des bibles à tes enfants. Alléluia, des frères, des sœurs, des collègues, des amis, n'hésite pas. Alléluia. Je me souviens quand j'étais à Toulouse, dans un boulot d'étudiante, et donc chez une personne âgée qui avait un certain âge et qui portait le prénom Marcel comme moi, à la fin de mon contrat, ben, je suis allée acheter une Bible pour cette dame. Elle était émerveillée, surprise, contente. Il ne faut vraiment pas hésiter d'offrir la parole de Dieu. Pour moi, c'est le plus beau cadeau. C'est incomparable. Alléluia! Et même la personne à qui tu offres la Bible, si les premières semaines, les premiers mois, les premières années ne lis pas, un jour viendra où cette personne va commencer à lire cette parole. Amen, amen. Que Dieu soit avec nous, Mina. Que Dieu soit avec nous, Brigitte, Nathalie. C'est bien Matthieu 5. Donc, nous allons lire ensemble. Je t'invite à lire avec moi. Alléluia. Ce n'est pas la sœur Marcel qui lit et tu écoutes. Tu lis aussi. Une servante de Dieu à qui Dieu a fait grâce, elle a vu l'enlèvement, elle a vu ce qui se passera au ciel. Elle disait, si je me souviens bien, lorsqu'on se trouvera devant Dieu, il dira à chacun, si je me rappelle bien, le temps que tu as passé à lire la Bible sur la terre, le temps que tu as passé à prier, tout et tout. Alléluia! Donc, que ta coupe, que ta que Dieu puisse dire que tu as vraiment passé vraiment beaucoup de temps à chercher sa face, à méditer sa parole, à le prier. Amen. Parce que je pense que Dieu ne nous donne pas des années de vie sur cette terre pour avoir juste peu de temps pour lui. Jésus a dit, le Seigneur Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc dis-toi que si Dieu te réveille chaque matin, ben, tu dois le considérer dans ta journée. Alléluia. Avant de dormir, trouve du temps. Trouve du temps, je ne dirais pas la dîme, c'est-à-dire 24 heures, 2 heures, 40 minutes, mais au moins trouve au moins une heure, au moins. Parce que c'est impensable que tu prennes que 5 minutes par jour pour Dieu. Et pourtant, tu lui demandes de faire beaucoup de choses dans ta journée, beaucoup de choses dans ta vie, mais tu n'as pas le temps pour lui. Essaie de sacrifier ton temps pour Dieu. Trouve du temps tôt le matin, si possible, trouve du temps. Le soir avant de dormir, trouve toujours du temps dans ta vie pour Dieu. Matthieu 5, nous lisons ensemble la parole de Dieu. Le titre de ce chapitre dans ma Bible est le sermon sur la montagne, les béatitudes. Quel est le titre de ce chapitre dans ta Bible? Tu peux l'écrire aussi dans ton cahier de notes. La date du jour, lundi 15 avril 2024. Lecture 2 points Matthieu 5, titre Le sermon sur la montagne, les béatitudes. Ce chapitre est scindé en plusieurs chapitres. Donc, on va passer du temps ensemble cette nuit. Alléluia. C'est de la lecture. Si Dieu m'inspire, on peut tarder sur 1, 2, 3 versets. Sinon, c'est vraiment de la lecture. Et après ce programme, tu peux méditer, aller plus loin dans ce chapitre. Amen, amen. Dieu soit loué. La sœur Sandy dit dans sa Bible, elle a le titre « Les béatitudes ». Je vous fais participer comme ça. Hein? Alléluia, c'est important.
Demain, Dieu fera grâce aussi que tu vas diriger des temps de lecture biblique avec d'autres personnes. Tout ce que Dieu fait n'est pas vain. Alléluia. Si Dieu permet que tu participes à ce programme, certainement demain, tu vas conduire des temps de lecture de sa parole dans ta famille, dans ton église, dans ton quartier, dans un autre pays, je ne sais où. Alléluia. C'est comme ça que nous grandissons avec Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut. Amen. Amen, amen. Nous commençons la lecture. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Alléluia. Comme vous le savez, la foule suivait notre Seigneur. Amen. Verset 2. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8. J'aime bien ce verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. Et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 13. J'aborde un nouveau chapitre un nouveau paragraphe de ce chapitre qui a pour titre Le sel de la terre, la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, toi qui m'écoutes, déclare, je suis le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Un autre paragraphe de ce chapitre qui a pour titre Relation de Christ avec la loi.
La sœur Caroline suit bien. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Un autre paragraphe du chapitre 5. Le titre de ma Bible, Injure, offrande, pardon. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, Raca, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Verset 26. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Un autre paragraphe, le titre Convoitise, adultère, divorce. Dieu nous parle de tout dans sa parole, mais vraiment de tout. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'exploite
s'oppose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Un autre paragraphe avec le titre « Parjure, vengeance ». La sœur Caroline m'a dévancé. Verset 33. « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Verset 34. « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. » Verset 35. « Ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. » Verset 36. « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Verset 37. « Que votre parole soit oui. » Oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du mal. Un autre paragraphe, le titre « Aimer ses ennemis », verset 38. « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. » Verset 39. « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyons donc parfaits comme notre Père céleste est parfait. Amen. 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 Nous n'avons pas prier avec les points de prière du livre avant de commencer, ce n'est pas grave. Nous allons terminer avec le livre. Alléluia. Amen, amen. Selon, je t'invite à prier avec moi. Père, mon Dieu, ce 15 avril 2024, je te prie encore d'ouvrir mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, selon Psaume 119, verset 18. Ouvre mon esprit, afin que je comprenne les Écritures, selon Luc 24, verset 45. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, selon Colossiens 1, verset 9. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance,
selon Éphésiens 1, verset 17. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Selon Psaume 119, verset 27. Enseigne-moi la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Selon Psaume 119, verset 33. Je t'invite à faire cette déclaration biblique avec moi. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Selon Psaume 119, verset 105. Je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel et je la médite jour et nuit. Selon Psaume 1, verset 2. Je me réjouis de la parole de Dieu comme celui qui trouve un grand butin. Selon Psaume 119, verset 162. La révélation des paroles de Dieu m'éclaire. Elle me donne de l'intelligence. Selon Psaume 119, verset 130. Et pour terminer, j'observerai les commandements de l'Éternel, mon Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Selon Deutéronome 8, verset 6. Amen. Amen, amen. J'espère que tu as pris plaisir à lire Matthieu 5. Dieu bénisse encore notre lecture de ce chapitre. Que Dieu nous nourrisse spirituellement comme il faut. Que nous grandissons spirituellement, que nous portons du bon fruit. Et que sa volonté parfaite s'accomplisse dans notre vie. Amen, amen. Amen. N'oublie pas après ce direct de t'adresser à Dieu, de le prier encore et encore. Et on se dit à demain par la grâce de Dieu. Amen, amen. Que Dieu nous protège tous encore cette nuit.